La chanson aux armes. Lélé, any trawa ma yaba. Lélé, any trawa ma yaba. Any trawa yaba. Lélé, lélé. Any trawa ma yaba. Any trawa yaba. Lélé, any trawa ma yaba. Lélé. On applaudit.
on applaudit Ténor de Nyango. Merci à ces magnifiques danseuses. Merci Ténor de Nyango. On a démarré cette émission avec la chaleur. Ténor de Nyango, bonjour, bonjour les gars, ça va bien? Ouais, ça va. Ouais, ça va. Alors, pour les plus jeunes qui ne connaissent pas Ténor de Nyango, est-ce qu'on peut faire une brève présentation? Ok, la Ténor de Nyango, voilà, c'était quatre jeunes gars. D'accord. Aujourd'hui, nous sommes restés deux parce que Dieu a appelé un. Et puis, bon, il y a un qui a décidé de faire une carrière solo. D'accord. Voilà, le groupe, c'est depuis les années 2000. D'accord. Voilà, que nous sommes sortis. Nous sommes toujours là et nous sommes revenus pour mettre le Mapuka au niveau. D'accord. Voilà. Et ça fait du bien à tout le monde parce que la musique de la Côtière, c'est la valeur la même, musique. N'est-ce pas, de notre tradition. Et oh, ça nous a fait plaisir vraiment de vous voir. Vous allez, on va vous permettre de vous reposer un peu. Ok, merci. Et puis, beaucoup. On se voit tout à l'heure, n'est-ce pas? Okay. Ténor de Nyango. Voilà. Bien. Salut, chers papouas, chers papouases, ici votre président chouchou, DJ Mulukuku, El Cuadraduro, El Pedrino, El Maestro, El Tochorito, El Unico, El Peligroso, El Capo de Tutti Capi. Voilà. Voilà. Bonne nouvelle pour vous parce que, est-ce que vous savez que la Papouasie a été nommée meilleur pays du monde? Devinez par qui? Par Dieu le Père lui-même. Bienvenue en Papouasie. À mes côtés, les dignitaires de la Papouasie. Madame la gouverneure de Gbara City, bonjour. Bonjour. Karin Astaja. Karina Style! Tanja! Yo! Wow! Bon, alors, à mes côtés, à ma droite, et vous à votre gauche, monsieur le Premier ministre de la Papouasie, Premier ministre nommé par décret hautement spirituel aux zones Afrique Bamba, bonjour! Bonjour, bonjour! Bonjour! Bonjour. Voilà, bonjour! Oui, oui, bonjour! Bonjour, ça va? Oui, ça va! Ce vendredi, on ne donne pas conseil. On ne donne pas conseil, c'est vrai, le vendredi, mais j'ai un courrier ici que je veux lire. Si tu permets maintenant. Oui, mais tu conviens avec moi qu'on ne donne pas conseil. Oui, on ne donne c'est pas conseil. C'est quand on donne conseil? On donne conseil le mercredi. Non, mardi 22h, s'il non, te plaît. Non, mercredi à 14h15. D'accord. Ouais. Alors, avant, Ozone, que tu nous poursuives, on a reçu une mauvaise nouvelle hier. Il s'agit de Love Gugu, qui est une blogueuse, qui a perdu son grand-fils, son premier fils. Et c'est une douleur atroce, j'imagine. La perte d'un proche, c'est pas une partie de football. C'est vraiment douloureux. Et toute la team Showbuzz se joint à moi pour dire Yako à Love Gugu. On est avec toi. Hein. Soutien total. On est avec toi, que Dieu te fortifie et que Dieu fortifie toutes les personnes qui ont perdu un être cher. Ozone? Oui, nous sommes suivis partout, tout le monde le sait, nous sommes suivis même dans les prisons. Oui, dans les prisons. Donc justement, on a un courrier ici d'un prisonnier qui parle au nom de tous les prisonniers de la prison de Dabou. Je vais lire. « Salut cher président de la Papouasie, je suis un papouas, je vous fais ce cadeau, donc c'est ce livre qui nous a, qui l'envoie. » C'est marqué dessus ?– C'est marqué Libéré. Dessus, Libéré. – Libéré. – Voilà, c'est un roman de Philippe de Kourou, voilà. « Je vous fais ce cadeau en tant que l'un de vos fans. Chaque jour à 11h40, je suis devant mon écran, moi et mes frères détenus. » Lama Gérard, Mélès Toussaint, Bandama, Stéphane, Nguessan Herman, Dié Serge, Baro Alassane. Il n'y a pas de petits cadeaux. Longue vie à vous, succès, prospérité, beaucoup de bénédictions. Big up à toi, cher président. El Capi de Tutti de Capo, voilà. Comme ça. À Ozone et Karina Steele, je vous porte dans mes prières. Lama Gérard, incarcéré à Dabou. D'accord. C'est magnifique, hein. C'est très émouvant. Chers détenus, détenus avec S à la fin, on vous envoie beaucoup d'amour, on vous envoie que des ondes positives. Merci de rester fidèle à Showbuzz. Showbuzz vous envoie aussi de l'amour. On pense à vous et puis on est ensemble. Et aussi, on a reçu les stylos qui nous ont ramenés. Des ils stylos, ont fabriqué oui. des stylos. En effigie de Karina, du président, de NCI et de oui. Ozone. Ouais, franchement, ça fait vraiment plaisir. Ça fait vraiment plaisir. Hein. On va boucler cette partie de dédicace. Il y a Colombe. Séquence émotion. Oui. Colombe, Yapo. C'est qui ça? Colombe. Moi, je ne la connais pas. Ah, oh, Ozone. Colombe. C'était ça, Colombe. Ouais. Colombe, joyeux anniversaire, chérie. On te fait beaucoup, beaucoup de bisous. Que Dieu t'accorde la santé. Et c'est l'assistante. Assistante, elle est assistante réalisatrice. Ouais. Elle réalise souvent Showbuzz. C'est et puis, Colombe. Voilà. Et ouais. Puis, Edwige, mon cœur, hein, je t'aime gros comme ça. Hein. Tintich, tu es en position. Il y a quelqu'un derrière là-bas qui ne sait pas quoi signaler. Comment mais on voit sa partie, je sais pas. Il est là. Oui, qu'est-ce qui se passe?
Tous les sorciers qui sont ici, vous êtes des bâtards. Qu'est-ce que vous, Seigneur, mangez et qu'est-ce que vous souhaitez? Vous qui passez là, tous ceux qui croient que le chrétien ne peut pas avoir beaucoup de femmes, vous êtes des féticheurs. Fête en Papouasie, on ne donne pas conseil pour les conseils. Passez mardi à 15h. Mercredi. Mercredi à 15h. Bon, c'est moi qui décide. Mardi, 22h. Soyez là. Karina, avant de partir. Oui, je souhaite joyeux anniversaire à Salimata Dianta, qui est la secrétaire du bureau, la Stylia Family. Voilà, c'est ma team. Mm. C'est la secrétaire du bureau. Joyeux anniversaire, ma chérie, et que de grâce dans ta vie. D'accord. Et que de grâce dans ta vie et que de grâce dans nos vies. Oui, allons-y, allons-y tout de suite découvrir ce que cette dernière session de dépaporisation nous réserve. Tissi et Métine. Au sommaire de la dernière session de dépaporisation de la semaine. Quelques jours après le concert de Yodé et Siro et l'incident avec Assalfo, le président Laurent Gbagbo s'explique enfin en dépaporisant. C'est l'un des duos les plus drôles de la Côte d'Ivoire. Avant leur grand show ce samedi, Zongo et Tao sont en visite officielle en Papouasie. C'est vendredi et le vendredi, c'est jour de fête en Papouasie. Aujourd'hui, on vous emmène sur les Côtes ivoiriennes avec le groupe Ténor de Nyango et DJ Zaram. Pour les conseils, passez mardi à 22h. Voilà, nous sommes de retour pour entamer, n'est-ce pas, notre session de dépaporisation. Mais avant, recevons deux personnes. Ils sont toujours ensemble, ils s'entendent. Elles. Enfin, elles sont toujours ensemble, ouais. Merci. Cours de français intensif en Papouasie. Oui, des personnes, oui. Les personnes sont là, elles sont drôles, elles sont toujours ensemble. Elles vont venir sur le plateau, elles sont là, on va les accueillir. Elles nous mettent toujours bien, elles sont là, elles sont toujours là, elles vont venir. Accueillons Zongo et Tao. Zongo et Tao, très content de vous avoir avec nous en Papouasie. Soyez les bienvenus. Merci beaucoup. Tao, depuis combien d'années tu supportes ce groupe? Non, c'est vraiment difficile. Très difficile d'ailleurs. Parce que, tu sais, quand arrive un moment, tu es obligé de faire comme si c'était toi-même. Voilà. D'accord. Et c'est vraiment pas facile parce que le gourou... Bon, en tout cas, moi, je parle pas. Je sais que... Mais là, comment tu le supportes? Comment tu l'as supporté toutes ces années? Quelqu'un qui parle comme échappement de moto. Quelqu'un qui a un handicap vocal. Quelqu'un qui a un DJ normal. C'est-à-dire que lui, il a même... Lui, mix. Je souffre. Non, il ne peut pas dire que je suis handicapé vocal. Hein? D'abord, il est étré. C'est-à-dire analphabète. Il ne sait pas lire. Il ne sait pas écrire. Quand on englobe tout ça, là, lui, il est handicapé global. Zongo, il a envoyé. On est dans Showbiz. Je suis à côté de Karina, donc je me calme pour le moment. D'accord. Le match commence maintenant. Alors, Zongo et Tao, est-ce que vous vous souvenez de votre première rencontre, Tao? Ah oui, c'était à Dimanche et Passion. Ah, voilà. Le Barthélemy. Voilà. Le couturier. Maintenant, je le suis, et toujours. Non, que je n'ai pas encore deux filles avant, c'est pas la même chose. Voilà. Comment tu couturais les formations? Oui, c'est couturier de formation, un peintre. Oui. Voilà, ici, calligraphe, tout ça. Là.
Donc c'était un dimanche. Moi, je ne sais pas quoi nous dire. Ce monsieur évoluait avec le vieux père Abi de Fer. Moi, j'étais avec la famille bébé et gâté. Voilà. Voilà. C'est une affaire de Wobé, quoi. Tu vois, c'est pas grave. Voilà. Dans le groupe, tout le monde était Wobé. C'était un double vœu de Wobé. Il y avait Bazé, il y avait moi, il y avait Tesson. Angé-Thérèse. Albert Tobio, comment il s'appelait? Et tous. Même il y avait un vieux chanteur du village qui était dans le groupe. et comme on était les plus jeunes des deux groupes, bon, c'est nous, on envoyait chaque fois pour aller prendre tant en temps, aller payer pain, pain, machin, machin. Bon, on n'avait pas de choix. Donc, arrivé un moment, on s'est dit, mais c'est vrai, hein, les grands frères nous envoient, mais nous-mêmes là-haut, est-ce qu'on ne peut pas s'envoyer un jour? C'est comme ça. Les petits anniversaires où il n'y a rien là. Souvent même les vieux pères ont dit, ah, il y a anniversaire là-bas, mais il n'y a rien. Et nous, on a fait un gombo à Divo. On a fait un gombo à Divo. Je me rappelle, yeah! On est resté sur scène, le promoteur a disparu. Nous, on est là, on fait le show. Les quand on finit là, le gars qui nous a fait venir à Divo là. Il est parti. Il n'est pas là. Non, Divo là. Il a pris là des jafoules là. Il nous a confié à un kiosque-man. Ouais, c'est là-bas, on devait manger. Vous mangez. Avant de partir, il a dit bon, quand on finit là, vous mangez ici. Et puis on dort ici. Donc nous. Il a fait le plan. Oui. Et puis il est parti. Il est parti jusqu'à demain. Maintenant, est-ce que dès la première rencontre, vous avez décidé de vous mettre ensemble là immédiatement? Non. Il fallait que je l'observe bien. D'abord, il fallait que je voie si la longue vie, parce qu'on ne sait jamais où je suis. Mais bon, quand on a commencé à marcher ensemble, il est arrivé un moment, je me suis dit, bon, voilà un vieux qu'on peut quand même, on ne sait jamais, on va essayer. On va essayer. Bon, comme tu sais, à chaque gourou, sont 50 wobés. 50 wobés dans la balance là. À chaque gourou, sont 50 wobés. C'est-à-dire que tu as le devoir en tant que gourou de t'occuper de 50 wobés. Ouais, c'est ça. Maintenant, je suis d'accord. Hein. Oui. Maintenant, pourquoi quand 19h approche, oui, qu'il y a un seul wobé parmi 50 gourous, vous avez peur? Quand 19h approche, il va venir. Ah, on ne sait pas. Donc, normalement. C'est désactivé dans les craintes. Normalement, vous ne devez pas avoir peur pour un seul wobé. Oh, wobé. Wobé. Bon, oui. Moi j'ai une question pour vous. Mm. Vous avez eu du succès. On a franchement, c'était dans les années 2000. Oui, de 2000. On ne parle que de vous en termes d'humour. C'était le duo que tout le monde voulait voir. Mm. Ce que je veux savoir, est-ce que vous avez dès le départ établi les bases de votre collaboration? Oui, je pense. Mais on était jeunes aussi, hein. Okay. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que quand tu rentres... Bon, attends, je désactive. Quand tu rentres dans le milieu du showbiz et que tu n'as pas de repères, et qu'il n'y a pas des gens qui te disent « on va ici, on fait comme ci, on fait comme ça », ça veut dire que tu es obligé de t'inventer toi-même, chaque jour. Nous, à notre époque, on était les plus jeunes et les vieux pères étaient tous des comédiens qui sont venus dans l'humour, donc qui ne faisaient pas de véritable projection. Et ça venait d'arriver, voilà. C'était un nouveau, c'était tellement nouveau. Nous, on se projette... En ce moment-là, c'était les cassettes, il fallait faire les cassettes et tout ça. Ça fonctionnait super bien. Mm-hmm. Mais bon, on était dedans. Donc aujourd'hui, nous, on est devenus comme la tête de la locomotive. Mm-hmm. On est devant. Et puis tous ceux qui sont derrière, ils nous ont observés pour dire, bon, les vieux pères se sont trompés ici, donc on passe pas là-bas. Ouais. Les vieux pères, ils ont zaillé ici, donc on passe pas là-bas. Mm-hmm. Donc maintenant, nous, on dit, c'est 2022. Et petit, on est là. Toujours. Alors, Zongo et Tao sont avec nous, on va dépaporiser avec eux et on va s'ambiancer aussi. Un seul béret au menu de la dépaporisation, c'est dans le gros buzz. Karina style. Karina style. Bonjour. Yo, oh, the queen of Barrett. Oh yeah. Karina, hey. Yeah. Karina, oh. Oh, Zoya. Yeah. Digbe, oh. Oh, Digbe, oh. Zongo. Tao. Près d'une semaine après le concert de Yodé et Siro et l'incident avec Assalfo qui a choqué tout le monde, le président Laurent Gbagbo s'explique dans un communiqué que je vais vous lire. Est-ce que vous permettez? Oui. D'accord. Alors, Karina, tu veux bien lire? Oui. Si je peux voir, je crois. Abidjan, 27 octobre 2022. Depuis un certain temps, nous constatons qu'il est véhiculé, l'idée selon laquelle les proches collaborateurs de Son Excellence, le président Laurent Gbagbo, l'empêchent de saluer ou de recevoir certaines personnes.
Ses propos visent à présenter le président Laurent Gbagbo comme un homme manipulé par son entourage. Outre le caractère tendancieux et outrancier de ses sous-entendus ou allégations, on ne saurait ignorer l'attaque politique que cela présente et qui exige donc une réponse. Tout d'abord, il convient de rappeler que la sécurité du président Laurent Gbagbo, à l'instar de la sécurité de toute autre personnalité, se limite à appliquer les consignes données. C'est donné de ne laisser approcher personne de celui-ci sans port du masque. Ce n'est que lorsque le président leur donne expressément l'ordre de laisser passer une personne qui déroge aux consignes que la sécurité s'exécute. Lors du concert de Yodé et Siro, la sécurité a donc impliqué ses consignes habituelles, sauf que lorsque le président Laurent Gbagbo intervenait directement, alors que le président Laurent Gbagbo, qui était déjà assis, suivait la prestation des artistes, M. Salif Traoré dit à Salfo s'est approché pour saluer un certain nombre de personnalités. La sécurité a alors fait part à Salfo des consignes pour approcher le président Laurent Gbagbo lorsque le chef de protocole Kyotia Narcisse a reconnu à Salfo et s'est approché de lui. C'est à cet instant que Manaja a tiré par le bras à Salfo vers lui avec un geste d'agacement en direction de la sécurité. Comme le montre la vidéo de la séquence, cela a empêché le chef de protocole d'approcher à Salfo afin de lui permettre de venir saluer le président Laurent Gbagbo. Voilà. Bon, on va s'arrêter là. Hein. On va s'arrêter là. Alors, cette dépaporisation concerne tout le monde. Et quel commentaire vous faites par rapport aux explications de l'ex-président, M. Laurent Gbagbo? Karina. Au moins, il y a quelque chose qui vient de là. Il y a une explication. C'est déjà du respect pour Salfo. Et moi, je pense qu'en toute chose, il faut communiquer. Et c'était nécessaire. Ça. D'accord. Zongo? Déjà, moi, je pense que c'est pas une explication du président Laurent Gbagbo. Ça, c'est son entourage qui quand on lit, c'est pas Gbagbo qui parle, c'est la sécurité qui parle. Pour dire que si ça s'est passé comme ça, c'est parce que nous, on fait notre travail. OK. C'est bien. Mais on est en Côte d'Ivoire. Parce que nous, on était au concert. On a vu même un conflit qui a pas eu se passer entre les deux équipes de sécurité. Nos autorités sont nos autorités. Nous avons le droit, nous devons avoir la liberté de les approcher pour les saluer, pour leur donner les honneurs qu'il faut. Avec la manière. Avec la manière, voilà. Donc vraiment, moi, je n'ai pas vu la scène quand ça se passait, mais j'étais dans les coulisses et j'ai vu qu'il y a eu un tas de la scène à l'antenne, déjà, voilà. On voit Asalfo qui est en train de saluer. Oui. Et voilà, la sécurité. On y va, Zongo. Voilà. Donc, moi-même, j'ai appris ça après, mais normalement, ce qu'il faut... Il y a eu un brouhaha, ce qu'il y a eu, le désordre qu'il y a eu pendant le concert, à cause de... Parce qu'il faut aller plus loin, il y avait le président Laurent Gbagbo, et puis il y avait eu le président de l'Assemblée nationale qui est venu. Et les deux équipes de sécurité ont failli créer le désordre dans le concert. Voilà. Nos autorités sont là pour nous. Quand nous les voyons, quand les artistes sont en prestation, qu'ils viennent, il faut que les sécurités là, les laissent pour que les artistes puissent les approcher, parce que c'était le concert de Yodé Siro. C'était pas le concert de Gbagbo, c'était pas le concert du président de l'Assemblée nationale. Donc, par moment, il faut que les artistes soient respectés à la hauteur de ce qu'ils représentent pour le pays. Merci beaucoup. Ça merci, Zongo. Tao. Tu sais, c'est une question très, très difficile pour moi. La sécurité a fait son travail. Ils ont expliqué. Moi, je m'en tiens à cela. D'accord. Merci, Tao. Oui, moi, je pense que c'est un gros malentendu. Parce que je sais que les autorités, en règle générale, les autorités ont tendance... À même se rapprocher des artistes dans quelle que soit la situation. Voilà, moi je me souviens très bien, je ne sais plus c'était en quelle année, tu étais au Palais de la Culture, toi Zongo, oui. Tu étais au Palais de la Culture et l'ex-président Laurent Gbagbo qui était le président en ce temps, oui. et montait, je me rappelle bien de cette scène, il était en train de monter et il t'a dépassé, quand il t'a vu, il est revenu pour te saluer. Ouais. Il me rappelle bien de cette scène, oui. Tu te souviens? Oui. C'était après ton accident, oui. N'est-ce pas? Oui. Ok, ça veut dire que les autorités... Connaissent les artistes. Il y a cette proximité entre les autorités et les artistes, même pas que depuis les artistes toujours, chanteurs. Oui. Depuis toujours, ça a toujours été comme ça en Côte d'Ivoire. Depuis Oufoué Boigny, ça a toujours été comme ça en Côte d'Ivoire. Et c'est comme ça que nous reconnaissons nos autorités. Et bien sûr. Ça, ce qui s'est passé, ça s'appelle
purement un malentendu. Un malentendu. Un malentendu. Un gros problème de communication. Je pense que les autorités, la sécurité ouais. ne peut pas vouloir empêcher un artiste de saluer une, autorité. Je pense que là, ça a été un malentendu. Surtout un artiste de la trame de Assal. Qui est mondialement connu. Qui est un ambassadeur de la culture ivoirienne. Bien sûr. Africaine même, tu vois. Ouais. Donc, je pense que c'est simplement un malentendu. Ouais. Et le fait que... et je pense que le communiqué, je ne suis pas d'accord avec toi quand tu dis que le communiqué est fait par l'entourage. Le communiqué, c'est un communiqué officiel. Oui, mais je veux dire que... C'est la pensée peut-être du président qui est... Le président a dit, le président ne peut pas dire le président, j'ai dit, quand j'ai fait comme si. Donc, c'est le courrier est la troisième personne. Oui, mais non, le communiqué est signé du chef du cabinet de l'ex-président. Voilà, ça a été validé par le président. Donc, personne ne peut venir se lever pour, comme ça pour faire non, un communiqué. C'est pas un truc hasardeux, voilà. C'est officiel. Voilà. Donc, ça veut dire que c'est officiel, c'est validé par lui-même. Moi, on est d'accord sur certains points, voilà, la plupart. C'est un concert de jeunes, un concert d'artistes et. Pour les autorités, il y a certains artistes qui vont faire des prestations quand ces autorités-là ont des manifestations et tout ça. Donc je veux dire, la sécurité même déjà doit être instruite sur l'environnement. Sur l'ambiance. Sur l'ambiance. Oui, l'environnement même. Oui, c'est un concert. Oui. Donc quand on part à un concert, quand on vient à un concert, on sait qu'il y a de la jeunesse, on sait qu'il y a tout le monde. Ce n'est pas au marché ou dans une campagne présidentielle. C'est pas non plus dans un bureau. Tout à fait. Donc quand vous allez dans un spectacle pour jeunes, il faut vraiment faire attention. S'adapter. Il faut s'adapter. On va dire ça comme ça. Ouais. Voilà, il faut s'adapter. Bon, je pense que les choses sont rentrées dans l'ordre et tout le monde a eu son mot à dire. Et puis, bon, qui de droit saura comment réagir prochainement. Zongo Tao, est-ce que vous vous êtes fait jeter par une personnalité de quelque manière? Non, pas encore. Mais c'est pas sûr que ça arrive. Il dit pas encore. En tout cas, en Papouasie, ça risque d'arriver parce que tu es gourou. C'est pas sûr que ça arrive. Non, pour que ça arrive, il faut donner l'occasion. Voilà. Est-ce que vous avez déjà eu affaire à des gardes du corps d'une personnalité, Tao? Dans quel cadre? Ouais, par exemple, comme ça, comme ce qu'on vient de voir. Ce qui est arrivé effectivement sur le président Gbagbo, c'est que nous, on a un sketch musulman-chrétien. D'accord. Musulman-chrétien, Attakbi, Allah Akbar, qui parle des différents comportements de nos religieux. Ouais. Et on avait été invité pour jouer à la présidence pendant que le président devait recevoir les chefs religieux. Ouais. Et il y a quelqu'un qui nous a garant pour parler en terre à terre. C'est-à-dire, vous là, vous venez là. Vos sketchs, vous mettez les gens mal à l'aise, là, c'est pas la peine. C'était comme s'il a dit, jouez ça. Quand on est arrivé, c'est ce sketch-là même qu'on a placé. Et c'est les hommes de Dieu, de toutes les tendances, les musulmans et chrétiens qui sont venus nous dire merci, parce que ce que vous dites là, c'est ça qui est vrai, mais nous, on ne peut pas dire. Ouais. Voilà. Donc, chacun joue son rôle. Par moments, les gens qui sont dans le protocole veulent tellement bien faire leur travail qu'ils empêchent les autres de faire leur travail comme il faut aussi. Yeah. Voilà. Chacun n'a qu'à faire pour lui. Moi, je vais vous montrer quelque chose. Quoi ça encore? On va regarder une image et puis vous allez me dire, c'était quoi votre problème? D'accord. On va regarder. Zongota aussi. Zongota aussi. Regarde. Attends, je vais t'expliquer. On dirait Pensek. Zongo. Zongo. On dirait Bic. On dirait Panini. Panini. C'était quoi? Tellement. On dirait Star. Non, c'est pas ça. Non, attends, faut dire la vérité. Je sais. Regarde, on a fait un sketch qui s'appelle No Grooving. Ah, ok. No Grooving, où il y a un artiste qui voulait un producteur, et puis il a tombé sur quelqu'un qui voulait le... Courbé. Voilà. Donc, on dit qu'il faut faire une image pour illustrer ça. Ouais. Voilà, c'est l'illustration-là qui est là comme ça. Qui vous a demandé ça? Je ne sais pas qui a fait la photo. Je suis d'accord. C'est son idée. Mais au-delà de ça, tellement on voulait choquer les gens. On voulait qu'on parle de nous. Il n'y a pas buzz en ce moment. Ouais. Voilà. Mais, donc, c'est... Oui? Tao, toi-même, est-ce que tu as vu? Regarde. Est-ce que tu vois? Oh, quitte là-bas. Je veux. On dirait bon, mais faut m'expliquer. Il est en train d'expliquer. Explique. Oui, mais c'est ça. C'est ça, tu vois là. Mais là, toi, ça va. Mais quand toi, tu es en même temps. Mais là, tu as quelqu'un. C'est Zongo même. Moi, c'est Zongo même. Pourquoi vous êtes allé chez cette photo-là? La chaussure, j'ai oublié. La chaussure, elle me fatigue même. Et puis, il y a. Vous avez vu ces enfants même? Eddie. C'est ça, sincèrement, c'est ça que vous êtes. Maintenant, tu as emporté maillot de bain, pourquoi tu fais ça? Vraiment, il faut que je demande au gars. C'est pour qui, Abby? Maillot de bain, c'est pour qui? Il n'était pas marié. Est-ce que tes enfants ont déjà vu cette photo? Jamais de la vie. Bon, okay. C'est l'occasion pour eux de voir quel père ils ont. C'est pas moi. Qui t'a donné maillot de bain?
C'est ça, moi, mais je demande jusqu'aujourd'hui. Ça lui m'a aidé, même si il pouvait le voir pour lui dire vraiment, tu venais d'où. Le Wabé était hier. Toujours, mais y'a Tao, le style, y'a, petite facile de côté, comme là, cheveux. En fait, le problème, c'est sur les cheveux. Tu connais un gars, on avait Dominique Gozène, il y avait Toujours. Bon. On va vous faire. Oh, mais moi, j'ai une autre photo à leur montrer. Non, faut pas faire ça. Non, faut pas faire ça. Pas oh, Seigneur, oh, oh là là. Oh, Zambo. Oh, toi aussi. Ça l'a fait ou bien. Aïe. Expliquez cette image. Oh, Zambo, toi aussi. Ça là, c'était à Yopougon, Banco 2. Ouais. Yopougon, Banco 2. Tu sais, souvent, tu fais les choses au présent, puis tu sais pas que l'avenir va venir. Quand l'avenir arrive, tu te dis, hé, c'est moi qui ai fait ça. C'est ça qui est la culotte là. C'était à quelle occasion? Mais quand je cherchais, comment l'occasion? Là, Zongo, là, on dit. Comment tu viens te réveiller ici, Romain? Est-ce que j'étais. Attends, quand vous habillez, comment c'est pour aller. C'est pour aller. Non, c'est pas non là, là, il est venu me rendre visite. Non, il était sapé. Non, mais la reste, il a dit. Il était une époque où on s'habillait comme ça avec Rafia, façon comme ça, là, Dreguiba, Corogolais. Ouais. Je vois cette époque. Mais là, tu es seulement à Peigne, et à. Peigne comment? Peigne à queue. Mais vous êtes galéré aussi, hein. Du coup, la star, et puis ensemble, et puis les fausses photos à Ben dans la main, genre là, camarade, ils ont tapé les mains. Oui, les gars, vous aussi. Alors, dans camaraderie, dans la camaraderie et dans la camaraderie, permettons à DJ Zara Mwazabanga de nous amener, Dans la deuxième partie de cette émission, ambiance de la côtière sur le plateau de Showbuzz. On va aussi poursuivre la dépaporisation avec Zongo et Tao. A tout de suite. Si Marco, Kamanika, 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 danser. Kamanika bouger, tout le monde le 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 bouger. Pa 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 p
C'était les ténors de Nyong'o, maintenant c'est devenu les ténors. Les gars, on vous retrouve tout à l'heure, c'est pas encore terminé, c'est ambiance côtière. Bravo à vous, c'est une magnifique, magnifique ambiance. Voilà, nos invités sont Zongo et Tao. Alors, chers amis, que chacun me parle brièvement de sa carrière. Commençons par Tao. Ah oui, Tao est d'abord comédien. D'accord. Il a commencé depuis les années... 85, 87, 85. Puis... Ouais, je parlais du parcours, c'est ça ouais. Oui, non, oui, mais en fait, il a dit 85, 87. C'est-à-dire que la télé m'a fait comme ça. Ça m'a fait réfléchir. Et j'ai commencé avec... Ok, donc c'est Karina qui... Vous avez d'arrêter ça, là. Pour regarder le gars, mais c'est pas là. J'ai commencé avec Assane Fagas, que vous connaissez. Assane Fagas, qui a fait Big Up. Qui est un excellent acteur de cinéma aujourd'hui. Donc, après lui, j'ai évolué avec beaucoup de compagnies jusqu'à ce que je retrouve ce monsieur à Dimanche Passion pour basculer un peu dans l'humour. Et voilà un peu brièvement présenter la carte. Zongo ? Bon, moi, bizarrement, moi, j'étais plus dans le hip-hop d'abord. D'accord. Voilà, j'ai fait le théâtre scolaire. Moi, bizarrement, c'est pas bizarre. C'est pas bizarrement, mais bizarrement parce que peut-être que tu aspires à autre chose. Voilà, pour ceux qui ne savent pas, moi je suis beaucoup, beaucoup musique. Tu peux parler à lui. Voilà, ouais, non, on a la même culture. Voilà, on a la même culture. Moi, j'étais beaucoup, beaucoup. Je suis même hip-hop, je suis reggae, je suis musique. Et j'ai été bercé par le théâtre scolaire et tout. Et après, quand l'émission Dimanche Passion est arrivée en son temps, je me suis dit, tiens, voici une opportunité. Je me suis approché et j'ai proposé mon petit. Voilà, et ça a fonctionné. Et c'est comme ça que j'ai pris la résolution d'en faire véritablement un métier. Donc, il fallait que je choisisse. Si je fais musique, je reste dans musique. Si tu fais théâtre, tu restes dans théâtre. Et j'ai choisi de rester dans le théâtre, dans l'humour. Et on a mis en place Zongo et Tao. Voilà, ça, c'est après mon passage dans la famille de Dimanche Passion. De Dimanche Passion, avec Guy de Fer, que je remercie ici. Parce que c'est très, très important. Vous savez, aujourd'hui, si quelqu'un ne te crée pas une opportunité, demain, tu ne peux pas te faire toi-même. Donc, je profite. C'est un monsieur que j'aime, que j'affectionne énormément. Oui, de fait. Beaucoup, beaucoup. Parce que c'est lui qui m'a permis de passer pour la première fois sur les antennes de la télévision. Et jusqu'à aujourd'hui, on est encore dessus, en train de... Non, vous, là, vraiment, on vous a permis, mais vraiment... C'est ça, quand on te donne une opportunité, il faut la saisir. Il faut savoir saisir. Et vraiment, vous êtes des géants. Vous êtes des géants, vraiment. Je tenais à vous féliciter, vous êtes des géants. À un moment donné, Karina, on ne vous voyait plus. Oui. C'était pourquoi? Nous-mêmes, on se voyait. Nous, on se voyait. Mais on ne vous voyait plus ensemble sur la scène. Il y avait pas la scène, ou bien... Sur la scène, ils ne voient rien. Mais sur les autres scènes, les autres nous voyaient. Peut-être que c'était ici. C'était dû au fait que ce monsieur, pendant la crise, il avait tellement peur des coups de fil. Moi, je suis courageux. J'ai des coups de fil, coups de fusil. Il s'est retrouvé à Bamako. Et moi, un bref temps passé à Bamako, moi j'ai préféré rentrer. Lui, il y est resté. Il n'y a pas de guérir à Bamako. Hein? Il n'y a pas de guérir à Bamako. Non, il n'y a pas Wabé à Bamako. Effectivement, j'ai fait un moment à Bamako. Lui, il a fait un moment là-bas. Voilà, j'ai été animateur là-bas. Voilà, j'ai fait des expériences. Ça m'a permis quand même de faire. Parce que, bon, ici, je fonctionnais en duo. Je me retrouve à Bamako, Tao n'est pas là. Donc, il faut que je fasse quelque chose. Donc, j'ai mis en place une petite émission, JTZ, qui fonctionnait bien. Ça m'a permis de faire des formations, de faire des expériences. Et donc, je pense que ça nous a plutôt nourris. Voilà, parce que quand on a marché ensemble pendant 20 ans, il arrive un moment où tu te poses la question de savoir est-ce que moi-même, j'ai un poids, personnellement. Parce que c'est la combinaison de deux compétences. Zongo et Tao, c'est deux entités. Tao, c'est un artiste entier, Zongo aussi. Mais on fait un duo. Ensemble. Donc, et là, maintenant, là, on a décidé de revenir sur la scène avec ce duo-là que les Ivoiriens ont connu, qui nous a permis d'exister artistiquement. Zongo, tu as fait pas mal de choses. Hein. Zongo a fait pas mal de choses. Il a même été animateur ici sur NCI pendant les vacances. Et toi, pendant ce temps, Tao, tu étais où? Je faisais mon travail de comédien. Ne l'écoutez pas. Je faisais tout mon travail de comédien. J'ai dit, je suis comédien de formation, je suis comédien de planche. Je joue dans des films, je joue dans des pièces de théâtre, et c'est comme ça, je fonctionne tous les jours. Ah oui, c'est vrai. La dernière fois que je t'ai vu, c'était lors d'une pièce de théâtre de Luis Marquez à la Fabrique Culturelle. À la Fabrique Culturelle. En fait, quand je suis arrivé, j'ai vu
j'ai vu le dispositif. Non, tu savais, ça veut tu lui demandais. Non, 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 oui, non, en fait, non, j'ai oublié. Je t'ai vu, quand tu es arrivé, mais c'est impressionnant. Il a joué aussi dans les rayures du zèbre, non, c'est ça? Oui, les rayures du zèbre du grand réalisateur belge, Benoît Mariage. D'accord. C'est qui le plus agent de vous deux? Quand tu regardes la tête, c'est un peu plus de questions. Ça se remarque pas facilement. Lui là, c'est les gens de l'époque de Pont de Gaulle. Il a fait la tatadi dans Pont de Gaulle, donc on ne peut pas comprendre, pardon. D'accord, alors on a un DJ, on va pas s'ennuyer parce que Zaram, il est là. DJ Zaram, fais-nous bouger un peu, un tout petit peu avant de revenir. Hey! Nos invités, alors qu'est-ce que votre duo a apporté à chacun de vous que vous n'aviez pas quand vous étiez en solo, Zongo? Quand moi j'étais en solo, j'étais dans le groupe Guéli Théâtre de Guy de Fer, donc c'était Guy de Fer et le Guéli Théâtre. Quand on a mis à place Zongo et Tao, ça a permis que j'existe artistiquement et c'est ça aussi qui m'a permis de développer des projets personnels après. D'accord. Donc moi, tout ce que je suis aujourd'hui, c'est vrai, grâce à Guy de Fer et le Guéli Théâtre, mais grâce plus à Zongo et Tao, parce que c'est ça qui m'a permis d'être là. Ça va. Tao et toi? Ah, merci. Il y a eu des voyages internationaux. J'ai connu la Russie, j'ai connu l'Europe, j'ai connu la sous-région. C'est grâce au duo Zongo et Tao. Et si nous sommes là aujourd'hui avec les Papouas, eh bien, c'est grâce à NCI. Alors, quand vous faites le bilan de votre carrière, de votre duo, il est négatif ou positif? Et à quel pourcentage? Il n'y a pas de bilan positif. Le positif, pour moi, il n'existe pas. Même tout quand tout vous. Le négatif, alors? Non, pardon, le négatif n'existe pas. C'est un wabéo. Même quand. Il faut revenir si c'est le cas. Il n'y a pas de bilan positif ou négatif? Le bilan, il est positif ou négatif? Positif. Ok. La négativité n'existe nulle part. Parce que même quand vous trébuchez, vous relevez toujours. C'est quand vous trébuchez que vous réalisez que vous devez faire plus. Donc. D'accord. Ozone. D'accord. Tu as parlé de bilan positif. Ça rassure d'entendre ça. Mais quel est le plus beau souvenir de votre duo? Le plus beau souvenir?
Bon, il y a... Je prends un seul exemple. Il y a une étudiante burkinabé qui a fait sa thèse de lettres modernes sur le sketch de Zongo et Tao. Wow. Et ça fait plaisir. Quelqu'un qui lit sa vie à ton travail, qui a fait un exposé à l'université sur... qui a décortiqué le sketch de Zongo et Tao, au-delà même de ce que nous, on n'imaginait pas. Ouais. Ça fait vraiment plaisir. C'était en 2005. Et ça reste vraiment, vraiment gravé dans l'esprit. D'accord. Voilà. Moi, je retiens que vous êtes des bosseurs. Oui. Vous n'avez rien lâché. Et puis aujourd'hui, on dit que c'est à force de patience qu'on réussit à extraire le cœur du moustique. Yeah. Le résultat est là. C'est quoi? Coup de proverbe intensif en papouasie. C'est à force de patience qu'on réussit à extraire le cœur du moustique. Mais qui t'a dit moustique à cœur? C'est ça, on dit en pays gourou qu'on n'éduque pas un enfant comme si on va le vendre. Mais quel est le message en espagnol? Le message en espagnol, est-ce pronto balakwa de 4 km, c'est metakaro? Non, parce que. Non, parce que. Aïe, que balessa par la débit, il y a encore la pignata dans la compte. Vous arrêtez? Quoi, la pignata, comment? Qu'est-ce qu'on a dit là? Allons la pub, mets quelque chose là. On vous a déjà dit, c'est le week-end, on donne pas conseil. Passez mardi à 22h. Après la pub, toujours ambiance et dépaporisation. A tout de suite. De retour pour la troisième et dernière partie de cette émission. On s'amuse bien, on kiffe, on s'enjaille. Parce qu'on a Zongo et Tao, on a des Papouas qui sont fidèles. On a Karina, Ozone, le gouvernement tout au grand complet. Et puis voilà, tout se passe bien. Ozone, on a besoin de savoir ce qui se passe dans le showbiz. Show News. Vous connaissez très bien Serge Kassi ? Bien sûr. Ok. Est-ce que vous savez qu'il est en train de revenir en puissance ? Bonne nouvelle. Voilà, c'est une très bonne nouvelle. Donc, il y a un communiqué officiel, d'ailleurs, que je vais lire. La team Serge Kassi a le plaisir d'annoncer à tous les fans et amis de l'artiste Serge Kassi la sortie prochaine de son nouveau single intitulé « Liberté pour l'Afrique », dont on a vu quelques extraits sur les réseaux sociaux. La date est prévue, la date de sortie, c'est le dimanche 27 novembre 2022 prochain. Il y aura un cocktail de presse, il y aura donc plusieurs Abidjan. Dates de prestations. Non, c'est pas précisé, Abidjan, mais je pense que... peut-être c'est Abidjan. Mais je crois pas, puisqu'il vient en Europe. Parce qu'il y a un cocktail d'Europe. Ah, ils vont compter les presses là-bas aussi. Oui, ça se fait aussi là-bas. Hein. Donc, on aura quand même la primeur du morceau ici dans Showbuzz qu'on va prendre plaisir à partager avec les Papouas. Et puis, la deuxième news, c'est qu'il faut savoir qu'il n'y a pas que le coupé décalé, le rap ivoire, le zouglou en Côte d'Ivoire. Il y a des gens qui prennent plaisir à faire parler... le saxophone, la trompette, le trombone, la batterie, la guitare, et dans une musique qui existe depuis plus de 100 ans, qui a commencé donc au sud des États-Unis, qui s'appelle le jazz. Yes. Cette musique, moi, j'aime bien appeler la musique métisse, parce que c'est une musique qui est une fusion de musique classique un assemblage européenne, de musique classique européenne et bien sûr de musique populaire américaine, qui a une forte influence de culture d'Afrique de l'Ouest. Donc nous sommes en Côte d'Ivoire, nous sommes en Afrique de l'Ouest, nous sommes dans cette musique, nous avons notre partie, une partie de nous dans cette musique. Et c'est pour vous dire que cette musique va s'exprimer le lundi 31 octobre prochain au festival Kodi Jazz et Humour de Benjerville. Pourquoi jazz et humour? Parce que la musique et l'humour sont dans l'ADN des Ivoiriens. Donc c'est une grande occasion d'aller découvrir ce qui va se passer lors de cette deuxième édition. Au-delà des prestations des artistes sur scène, il y aura un marché. C'est-à-dire que les artistes, au-delà de donner des performances sur scène, vont partager leurs expériences avec des acheteurs aussi qui seront là pour faire ça. Si tu veux, c'est le Massa du jazz en Côte d'Ivoire. Donc, allez voir des artistes comme Liri Sankofa, Vivi Makado, Jimenti. Jimenti qui est un artiste qui fait beaucoup la promotion de la musique traditionnelle made in Côte d'Ivoire, qui sillonne l'ouest de la Côte d'Ivoire. Et John Kiffy, qui est le parrain artistique. Quand vous parlez de John Kiffy, vous savez déjà l'énergie qui va se dégager ce jour-là sur scène. Rendez-vous au foyer des jeunes de Benjerville le lundi 31 octobre de 14h à 5h du matin pour un concert géant avec plus de 20 artistes et humoristes, notamment en cas de cas, Joël Wallace, président Vescaï, Bess Ajay, pour ne citer que ceux-là. Bravo pour cette initiative. Nous qui aimons le jazz, franchement, j'invite tous ceux qui aiment le jazz et ceux qui ont envie de découvrir, de savoir ce qui se passe dans le jazz en Côte d'Ivoire. Venez et on va bien s'amuser.
Merci. C'est tout? Bon, si tu veux. Même pas si je veux. Je peux continuer d'expliquer ce qui va se passer. Après, on va manger, on va boire. C'est pas une musique Wabert, donc c'est compliqué. Ouais, c'est pas Wabert. Autre information, Ozone? Oui, c'est fini. Alors, le challenge Wulon s'est terminé, il n'y a plus de mots? Non, tu sais que le challenge ne peut pas se terminer, ok? Tu es à fond dans ta explication, au point d'oublier ce qui est propre à nous-mêmes. Toujours Wulon, le single est disponible, le clip est disponible sur YouTube, regardons cette vidéo. Voilà, c'est le challenge Wulon qui continue dans Showbuzz. Allez sur YouTube, le clip est disponible. Vous avez aimé cette vidéo, continuez de partager. C'est le clip de Karina Steele, c'est le tout dernier. Merci Ozone pour ces informations croustillantes. Alors, vous êtes en spectacle demain. Demain samedi 29 octobre, Palais de la Culture, à partir de 20h. Zongo et Tao sur scène dans un nouveau spectacle qui s'appelle Immigration Kabako. D'accord. Vous vous remettez ensemble juste pour un spectacle ou alors Non. C'est le grand retour de Zongo et Tao. Voilà, c'est le grand retour de Zongo et Tao. Nous avons beaucoup, beaucoup de respect pour tous ces jeunes-là qui ont permis que l'humour existe jusqu'à maintenant, que les choses se fassent. Mais il est important aussi que chacun dépose sa marque. D'accord. Donc, Zongo et Tao reviennent sur la scène et l'ouverture du bal, c'est demain au Palais de la Culture à partir de 20h. Venez voir du spectacle. Et je dis encore, venez voir du spectacle. D'accord. Voilà. Ça veut dire quoi? Il y aura quoi dedans? Parce que quand tu dis venez voir du spectacle, ça veut dire qu'il y aura du spectacle. Voilà. Immigration Kabako, c'est quoi? Immigration Kabako, c'est les douleurs de l'immigration clandestine. Aujourd'hui, beaucoup de nos jeunes pensent qu'il faut aller forcément à Beng pour s'en sortir. Alors qu'il y en a même qui sont à Beng là-bas, qui veulent revenir, ils ne savent pas comment revenir. Parce que ce n'est pas toujours rose. C'est vrai, il y en a qui réussissent, mais il y en a qui galèrent tellement qu'ils ne peuvent pas expliquer. Il y en a qui sont présentement en prison en Libye. Il y en a qui sont en train de mourir dans le désert. Il y en a qui sont en train de laver palmier au Maroc. Est-ce que vous savez qu'on lave palmier au Maroc? Quelqu'un qui te dit, je t'embauche, tu as venu travailler chez moi, et puis travaille là, c'est laver palmier. Juste parce qu'il sait que tu n'as pas le choix. Aujourd'hui, c'est des bilans chaque jour, de jeunes gens, de jeunes femmes qui meurent, qui sont dans des situations difficiles. Il faut qu'on en parle. Nous, en tant qu'artistes, on fait un spectacle pour en parler. Et puis après, si derrière les autorités ont des dispositions à prendre, ils vont prendre. Donc demain, 20h, c'est un spectacle école. J'insiste dessus, c'est un spectacle école. Venez voir Zongo et Tao dans une nouvelle dimension. Voilà. Wow. Venez soutenir les artistes, c'est vraiment important. On doit soutenir Zongo et Tao. Venez nombreux à ce spectacle. Je rappelle que c'est demain à 20h au Palais de la Culture. Donc, Immigration Kabako. Oui. Zongo et Tao, merci d'avoir accepté notre invitation. On vous souhaite bonne chance pour la suite de votre carrière. Karina, merci Ozone. Je vous souhaite un très bon week-end. Cher papa, Showbiz s'est terminé aujourd'hui. Vous savez qu'on ne donne pas conseil le week-end. Rendez-vous est pris lundi pour une longue séance de dépaporisation. On vous aime tellement qu'on n'a pas envie de vous laisser, mais il faut qu'on vous laisse. J'appelle Ténor de Yango pour Ténor. Pour qu'on puisse terminer, n'est-ce pas, cette émission en beauté. Ça sera bien sûr avec la percue et tout ça. Je vous rappelle que la musique de la Côtière va renaître de ses cendres parce qu'il y a encore des personnes qui valorisent cette musique. On est ensemble, portez-vous bien et que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Alors là, c'est moi-même qui ai chanté, mes gars. Tolik. Moi-même, je t'aime. C'est. C'est bon, les gars? Allez, position comme ça. Yes, I. On y va. On y va, petit. Tape dedans. Tolik. Tolik. Segui. Mon bouguise. Sakapina yoye. Écoutez maman. Sakapina yoye. Écoutez maman, appréciez le featuring. Aïe aïe. On y va. Oh Seigneur Dieu, nous te disons merci pour tes bienfaits. Oh Seigneur Dieu, nous te disons merci pour tes bienfaits. Sakapina yo. Oh Seigneur Dieu, nous te disons merci pour tes bienfaits. Oh Seigneur Dieu, nous te disons merci pour tes bienfaits. On reprend ça, on y va. Oh Seigneur Dieu, nous te disons merci pour tes bienfaits. Oh Seigneur Dieu, nous te disons merci pour tes bienfaits. Une fois de plus. Oh Seigneur Dieu, nous te disons merci pour tes bienfaits. Oh Seigneur Dieu, nous te disons merci pour tes bienfaits. On y va. Seigneur, mets la joie dans nos cœurs, dans nos cœurs. Seigneur, mets la joie dans nos cœurs. Seigneur, mets la joie dans nos cœurs. Mais on a un jaloux. Seigneur, mets la joie dans nos cœurs. Pour tous les jaloux. Seigneur, mets la joie dans nos cœurs. Pour tous les jaloux. Seigneur, mets la joie dans nos cœurs. Pour tous les jaloux. Seigneur, mets la joie dans nos cœurs. Sans copine, yo. Get up.
Kenam, 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 Ken